Eh bien, bonjour tout le monde, ici Trong pour parler d'un jeu qui est beaucoup mieux sur Xbox que sur PlayStation. Donc, je parle d'un jeu, un grand classique de Rockstar Games, le jeu qui est dans le gameplay. Oui, je parle de Red Dead Redemption, hein, le premier, hein. Et pourquoi je parle de ce jeu? Parce que voilà, il est disponible dans l'abonnement GTA Plus. Donc voilà, hein, l'abonnement Rockstar qui permet d'avoir des avantages, hein, sur l'online de GTA V, mais qui rajoute des jeux comme GTA Trilogy The Definitive Edition. Et que voilà, depuis hier, ils ont rajouté le premier Red Dead Redemption avec le DLC Undead Nightmare sur Xbox One, série PS4 et PS5. Et je vais expliquer pourquoi la version Xbox est mieux que la version PlayStation. Donc la version Xbox, c'est donc le jeu qui est sorti sur Xbox 360, que je rappelle est Retro One et série. Et que la version PS4 et PS5, ben c'est voilà, le portage. Hein, parce que hein, on sait que voilà, Sony n'est jamais arrivé à faire. Du rétro PS3 sur PS4 et PS5. Hein. Donc le portage, si rappelons, qui est aussi sorti sur Nintendo Switch. Mais voilà, là je parle de la version PS4, PS5. Et pourquoi la version Xbox est meilleure que la version PS4? Parce que quand, voilà, sur le gameplay, parce qu'il y a toujours, parce qu'il y a le multijoueur qui est toujours actif. Bon là, je suis seul. Bon, je sais que il y avait un gars qui est arrivé. J'y ai, donc voilà, c'est un gameplay que j'ai joué hier matin. Et donc voilà, donc le matin il n'y avait pas grand monde, hein, mais bon voilà, c'est plus le week-end qu'il faut voir qu'il y aura du personne, qu'il y aura des gens. Mais voilà, parce qu'il y avait pas mal de gens qui y jouent. Après, ça vaut pas le coup de prendre le GTA Plus pour Red Dead Redemption. À moins que voilà, si on est des gros joueurs du online de GTA V. Mais voilà. La version Xbox 360, séparément, je veux dire le jeu normal avec Nightmare, on peut trouver en tout pour 21 euros. L'édition Game of Year est un peu plus chère, et surtout avec la jaquette Xbox One qui a pris une cote, hein, je le vois sur Amazon, qui est à 57 euros. Et donc la version PS4 sur Amazon est à 33,90 €. Bon, personnellement, c'est toujours aussi cher, hein, vu qu'il n'y a que les deux campagnes et pas de multijoueur. Hein. Et petit rappel que la version Xbox. Donc là, c'est plutôt la Xbox Series X avec sa puissance. On a une meilleure qualité d'image, même mieux que sur PS5. Donc je mettrai en description une vidéo comme preuve. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour parler de ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était Trong et je vous dis.